Bonsoir chers amis, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, bienvenue à vous tous, chers fidèles, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, le Seigneur est content de les voir comme vous tous, et bienvenue à tous ceux qui nous suivent par internet, oui le Seigneur a envie de vous guérir, amen. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 20e jour de carême. C'est exactement la moitié du carême. Alors, c'est un jour de fête parce qu'on a déjà tenu nos efforts pendant 20 jours, mais il va falloir encore tenir 20 jours. Dans de nombreux pays, on fête encore la mi-carême avec un deuxième carnaval, vous le savez. Et l'Église veut nous encourager aussi. Faites bien attention, dimanche prochain, quand vous irez à la messe, vous verrez peut-être, dans certaines paroisses, le prêtre porte des ornements roses. Des ornements roses, ça n'arrive que deux fois par an. Une fois pendant l'Avent, une fois maintenant. Et pourquoi il porte des ornements roses? Parce que c'est le dimanche de la joie. L'étaré en latin, le dimanche de l'étaré. Et pourquoi rose? Parce que rose, c'est le mélange du violet et du blanc, le violet pour le carême et le blanc pour Pâques qui approche. Donc vous voyez, même dans la liturgie, même dans les ornements, l'Église nous encourage à continuer nos efforts de carême, à nous réjouir pour ce que nous avons déjà fait et à nous réjouir pour ce que nous allons encore faire. C'est aussi une bonne nouvelle. Même pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui ont mal commencé leur carême, ou même pour ceux qui ne l'ont pas commencé du tout. Parce que la mi-carême, ça peut être l'occasion d'un départ pour ceux qui ont raté le premier départ, d'un rattrapage pour ceux qui sont en retard. Il n'est pas trop tard. Jésus nous attend toujours. Et nous allons pouvoir prendre des résolutions ou renouveler nos résolutions ce soir. Je vais vous donner quelques exemples. Nous pourrons décider ce soir de prier tous les jours, sans exception, pendant le carême. Peu importe la durée de cette prière quotidienne, ce qui est important, c'est que ça soit chaque jour. Si c'est 5 minutes tous les jours, ça mettra plein de joie dans le ciel. Si c'est une demi-heure tous les jours, même chose. Mais il vaut mieux tenir tous les jours que faire long une fois. Ou alors, nous pouvons décider ce soir de sauter au moins un repas par semaine pendant le carême. Et au lieu de prendre votre repas, nous pourrons ainsi passer un temps avec le Seigneur et le prier plus intensément. Ou alors, et encore, nous pouvons décider ce soir de partager ce que nous avons et de faire un don de carême à quelqu'un qui en a besoin ou à une association. Alors courage, continuons ou démarrons si nous n'avons pas démarré. Seigneur, bénis nos résolutions de carême. Aide-nous à tenir nos efforts. Par ces efforts, nous voulons te ressembler, nous unir à toi, car tu es notre Sauveur. Seigneur, nous t'apportons aussi nos maladies, nos souffrances et celles de nos proches. Si tu veux, tu peux nous guérir. Amen. Alors, des petites informations sur le déroulement de notre soirée. Nous commencerons comme toujours par la louange. La louange est le meilleur outil pour ouvrir notre cœur, surtout quand il est lourd de plein de soucis. Alors pour quelques minutes, quelques heures, nous allons laisser nos ennuis à Jésus, les déposer au pied de sa croix, ouvrir notre cœur pour l'écouter, le prier dans la louange. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé. Non, pardon, avant, il y aura un enseignement, puis un témoignage. Et ensuite, le sacrement sera exposé,
puis il circulera dans l'assemblée, ce qui vous permettra de le prier, de l'adorer de plus près et de lui confier vos intentions. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous derrière moi. Ce n'est pas un prodige bizarre, c'est ce qu'on appelle des charismes. Ce sont des bontés de l'Esprit-Saint qui vient visiter ces personnes et donner des paroles que le Seigneur veut donner pour l'assemblée et non pas pour les priants. Vous savez que nous recevons une quantité de témoignages où une bonne partie de ces paroles sont confirmées par des guérisons inexpliquées, confirmées par la médecine. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, il n'y a pas de parole pour tout le monde, et d'ailleurs, quand Jésus était avec nous sur terre, il ne pouvait pas guérir tout le monde. Mais ces guérisons dont nous sommes témoins sont pour nous un sujet de gratitude et de remerciement envers Dieu. Alors je vous donne maintenant quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par le service d'accueil ou service d'ordre, qui peuvent être amenés à vous donner des consignes. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Nous avons aussi un service de prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent tout au fond de l'église derrière moi, avec des écharpes vert fluo, deux par deux. Dès la louange, vous pouvez aller les voir pour leur confier votre intention et ils vont prier pour vous. Mais nous souhaitons que tous ceux qui veulent recevoir la prière des frères puissent le faire. Donc pour ça, il y a des petites consignes à respecter. D'abord, vous devez inscrire votre prière sur un petit papier. Vous allez près d'eux, vous leur lisez et ils vont prier, vous donner une bénédiction. Ceci se fait debout pour que les personnes ne restent pas trop longtemps et qu'on puisse recevoir tout le monde. Ensuite, vous revenez et vous mettez votre papier dans la corbeille. Nous allons commencer. Je vous invite maintenant à vous lever. Et encore une fois, comme les séances précédentes, comme nous sommes toujours dans le carême, je vous invite à demander à votre voisin son prénom et à lui souhaiter « Je te souhaite un saint carême ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Prenons le chant numéro 3. Numéro 3, aujourd'hui s'est levée la lumière. Elle éclate en cris de joie.
Merci de nous rassembler tous ensemble autour de toi. Merci pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois, tous les gens qui ont été attirés à toi. Nous te rendons grâce pour toute cette première moitié de carême. Voilà, tous les efforts que nous avons pu faire. Toutes les conversions qu'il y a pu avoir, toutes les guérisons, béni sois-tu Seigneur. Nous prenons le chant numéro 7, chantons sans fin le nom du Seigneur. Transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur. Quand il se tourne vers lui, chantons sans fin le nom du Seigneur. Bénissons-le d'âge en âge, à son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Quand sur la croix Jésus dans sa passion offre sa vie pour notre rédemption, la mort nous ouvre à la vie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, Seigneur, viens nous mettre dans des dispositions de prière, viens ouvrir nos cœurs à tout ce qui va être dit ce soir. Seigneur, apprends-nous à nous mettre à l'écoute de ta parole et de tous les moyens que tu utilises pour venir nous toucher. Nous demandons à l'Esprit Saint de venir lui aussi nous toucher, de venir nous montrer très concrètement les moyens de se convertir, de se tourner vers Dieu. Et nous prenons le chant numéro 57. Purifiez nos cœurs. Oh,
accueillons, viens purifier nos cœurs. Souple devant toi, à l'écoute de ta voix, en nos sens immédiats. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous connaître ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Jésus disait « Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Chers frères et sœurs, je voudrais continuer de méditer le Notre Père avec vous, cette prière que Jésus nous a enseignée à partir des enseignements du pape François. Alors aujourd'hui, nous poursuivons ce commentaire en arrivant à l'avant-dernière invocation « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors, pendant plusieurs années, nous avons prié avec l'ancienne traduction qui disait « Ne nous soumets pas à la tentation ». Notre Père, nous le savons, commence de manière paisible, confiante. Il nous fait souhaiter que le grand projet de Dieu puisse s'accomplir pour nous, que nous puissions entrer dans sa vie en faisant sa volonté, en devenant pleinement fils et filles de Dieu. Et ensuite, cette prière nous invite à jeter un regard sur notre vie,
à nous faire demander ce dont nous avons besoin chaque jour, notre pain quotidien. Puis cette prière s'adresse à nos relations interpersonnelles, souvent tachées d'égoïsme. Nous demandons le pardon et nous nous engageons à le donner aussi, à pardonner toujours. Mais c'est avec cette avant-dernière invocation que notre prière au Père entre, pour ainsi dire, dans ce qui est difficile pour nous aussi, c'est-à-dire sur le terrain de la confrontation entre notre liberté et les tentations du diable. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, comme on le sait, l'expression originale grecque contenue dans les évangiles pour le Notre Père est difficile à traduire de manière précise et exacte. Et on pourrait dire que toutes les traductions modernes ne sont pas satisfaisantes. Mais quelle que soit la manière dont on comprend ce texte, nous devons toujours exclure, rejeter l'idée que Dieu est responsable des tentations qui pèsent sur le chemin de l'homme. Dieu n'est pas aux aguets pour nous tendre des pièges. Nous sommes ses enfants, c'est impossible. Et penser que Dieu nous tente serait en opposition avec le début de cette prière où nous appelons justement Dieu notre Père. Cette prière commence par le mot « Père ». Et un Père ne tend pas des pièges à ses enfants. Comme chrétiens, nous n'avons pas affaire à un Dieu envieux, en compétition avec l'homme, ou qui s'amuserait à nous mettre des bâtons dans les roues pour nous faire tomber. Ça, c'est la vision de divinité païenne. Au contraire, nous lisons dans la lettre de Saint Jacques que nul, s'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui m'éprouve ». Dieu, en effet, n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus personne. C'est plutôt le contraire. Dieu n'est pas l'auteur du mal et Jésus nous enseigne qu'à aucun enfant qui demande un poisson, il ne donnera un serpent. Oui, quand le mal se présente dans la vie de l'homme, eh bien Dieu combat à nos côtés pour que nous puissions en être libérés. Dieu combat toujours pour nous, avec nous, jamais contre nous. Dieu est un Père qui nous aime, qui veut notre bonheur, et c'est dans ce sens que nous prions le Notre Père. Alors Jésus, le Fils de Dieu qui a vécu notre vie humaine pour vaincre le mal, et aussi pour nous montrer comment vivre en Fils de Dieu, eh bien Jésus a été confronté aussi à l'épreuve et à la tentation. Elles ont toutes les deux été mystérieusement présentes dans sa vie. Et dans cette expérience, le Fils de Dieu est entièrement devenu notre frère, d'une manière qui est presque un scandale, puisque cela l'a conduit jusqu'à sa passion. Et ce sont précisément les passages évangéliques où Jésus a le plus souffert qui nous montrent que les invocations les plus difficiles du Notre Père, celles qui terminent cette prière, ont été déjà exaucées. Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais en Jésus, il s'est manifesté comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, assumant cela jusqu'à sa mort sur la croix, par amour pour nous. Oui, Dieu est avec nous quand il nous donne la vie. Il est avec nous au cours de toute notre vie, de chaque instant. Il est avec nous quand nous sommes dans la joie, aussi évidemment quand nous sommes dans les épreuves. Il est avec nous dans la tristesse. Il est avec nous dans les défaites. Il est avec nous aussi quand nous péchons, quand nous le rejetons. Et il est toujours avec nous parce qu'il est un Dieu Père qui aime ses enfants et qui ne peut pas nous abandonner. Même si nous sommes tentés d'accomplir le mal en refusant d'aimer ou en refusant la fraternité avec les autres,
même si nous sommes tentés par un pouvoir absolu sur tout et sur tous, Jésus a combattu toutes ces tentations pour nous. Et les premières pages des évangiles en attestent. Immédiatement après avoir été baptisé, Jésus a été conduit au désert. Et là, il a été tenté par Satan. C'est ainsi que la vie publique de Jésus a commencé, par un combat contre Satan. Jésus a été tenté. Satan était présent dans le désert. Alors, beaucoup de gens disent, mais pourquoi parler du diable, qui est une chose dépassée ? Le diable n'existe pas, disent-ils. Mais non, l'évangile est très clair. Jésus a été confronté au diable, il a été tenté par Satan. Mais Jésus a repoussé toute tentation et il en est sorti victorieux. Voilà. Si dire que le diable n'existe pas, eh bien, c'est faire mentir la parole de Dieu sur bien des points. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le péché originel, ça veut dire que Jésus est venu pour rien. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés s'il n'y a pas eu le péché ? Mais de fait, nous faisons tous l'expérience chaque jour que nous n'arrivons pas à aimer, à faire le bien comme nous voulons et que nous tombons quand même dans le péché. Oui, il y a bien eu le péché originel et Jésus est venu pour nous aider à nous en sortir. Alors cet épisode des tentations de Jésus se termine par une petite phrase qui manifeste bien que Jésus a eu le dessus, il a rejeté les tentations du diable, alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils servaient Jésus. Mais plus tard, dans la vie du Christ, avant sa passion, avant de vivre son épreuve suprême, Jésus n'a pas été abandonné par son Père. Jamais le Père n'a abandonné son Fils. Quand Jésus s'est retiré pour prier à Gethsémani, son cœur a été envahi par une angoisse indicible. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Et il a fait l'expérience de la solitude et de l'abandon. Le diable, à ce moment-là, lui a montré le péché de toute l'histoire humaine. Il a cherché à décourager Jésus en lui disant « Regarde, cela ne sert à rien de vouloir donner ta vie pour eux. Ils vont continuer jusqu'au bout à commettre des péchés, des atrocités, jusqu'à la fin des temps. » Et Jésus est resté. Seul, avec la responsabilité de tous les péchés du monde sur ses épaules, seul avec une angoisse indicible devant cette somme de souffrance, de mal, Jésus s'est tourné vers son Père et il l'a prié. « Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et Jésus est resté, il a accepté d'aller jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Et dans cette épreuve, Jésus, qui n'a jamais demandé quelque chose pour lui-même, face à la tristesse de son âme, Jésus a demandé à ses amis « Demeurez ici avec moi, veillez avec moi, priez avec moi. » Malheureusement, comme nous le savons, les disciples, alourdis par la peur, se sont endormis. À Gethsémani, Jésus a demandé aux hommes de ne pas l'abandonner, mais ils ont dormi. Au moment où Jésus connaissait son épreuve, le Père veillait. Dans les moments, pour nous aussi, les plus durs de notre vie, dans les moments de grande souffrance, dans les moments d'angoisse, Dieu est avec nous. Dieu lutte avec nous. Dieu est toujours proche de nous. Et pourquoi ? Parce qu'il est Père. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. Parce que chacun de nous est une merveille à ses yeux. Chacun de nous est unique, est aimé d'un amour infini. Dieu est Père. C'est comme cela que nous avons commencé la prière.
notre Père. Et un Père n'abandonne jamais ses enfants. Et donc à Gethsémani, cette nuit de douleur pour Jésus, cette nuit de lutte, et comme le dernier saut de l'incarnation, Dieu descend pour nous dans tous nos combats, pour nous rencontrer dans nos abîmes, dans les tribulations qui parsèment chacune de nos histoires. Il ne nous laisse pas seuls. Il n'a pas laissé Jésus seul. Et ce doit être notre réconfort dans les épreuves, savoir que depuis que Jésus l'a traversé, cette vallée de souffrance et de larmes, qui est notre vie marquée par les conséquences du péché originel, eh bien cette vie est bénie par la présence du Fils de Dieu. Avant de remonter au ciel, après l'ascension, il a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera jamais. » Et donc l'épreuve devant laquelle nous nous trouvons en cette vie, eh bien, c'est de croire que Dieu est vivant, présent, agissant, alors que nous ne le voyons pas, que nous ne sentons pas sa présence. Et l'épreuve pour nous, c'est de durer dans la foi, de durer dans nos oui à Dieu, alors qu'il peut nous sembler que tout va mal pour nous. Par exemple, ce peut être pour des parents, des enfants qui ne tournent pas bien comme ils l'auraient voulu. Ça peut être mon frère qui est malade. C'est le chômage, la guerre dans le monde, tous les pauvres que nous pouvons croiser chaque jour, toute cette souffrance. Ces épreuves ne sont pas voulues par Dieu, mais elles sont permises à cause de l'histoire du péché, parce que Dieu nous laisse libres aussi. Mais dans ces épreuves, Dieu est avec nous, il nous demande de nous appuyer sur lui pour grandir, pour que notre foi éprouvée, eh bien, grandisse. Saint Paul dit « La vertu éprouvée produit l'espérance, que nous tenions dans l'espérance. » Alors dans ces épreuves, oui, nous sommes placés face à nos limites, nous sommes placés aussi face à la solidité de notre parole, de nos engagements, à la réalité de notre condition humaine. Ces épreuves que nous traversons, eh bien, vont nous permettre de donner notre mesure, de nous tenir en vérité devant Dieu, de lui dire sans cesse que nous avons confiance en lui, que nous croyons qu'il est là avec nous, qu'il nous aide à traverser ces épreuves qui jalonnent nos vies. Ces épreuves ne sont pas des pièges destinés à faire tomber, à briser notre élan. Elles sont là au contraire pour révéler le meilleur de nous-mêmes, pour nous aider à nous dépasser. Les épreuves, si nous les vivons avec le Seigneur, sont autant d'occasions de grandir en choisissant toujours d'aimer, de croire, de nous donner au service de Dieu ou du prochain, de refuser tout découragement, tout abattement, toute tristesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, s'est soumis à cette loi humaine. Il a appris dans sa chair, pendant 40 jours, dans le désert, eh bien, cette difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés. Il a éprouvé toutes les souffrances d'Israël durant l'Exode. Il a connu la brûlure du soleil, la soif, la faim, la solitude. Et en acceptant d'aller jusque-là, il a aussi éprouvé la présence aimante et providentielle de son Père, qui était toujours là, qui le voyait dans le secret. Et Jésus n'a pas été déçu, n'a pas été abandonné par son Père. 40 jours, il a vécu avec les bêtes sauvages, comme l'avait fait Adam, mais il a expérimenté sans cesse l'amour prévenant du Père. Et les anges le servaient, nous dit l'Évangile. Alors Saint Charles de Foucault disait qu'il nous faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. Saint Charles de Foucault disait, c'est là qu'on se vide, qu'on chasse devant soi tout ce qui n'est pas Dieu, qu'on vide cette petite maison de notre âme pour laisser la place à Dieu seul. C'est un temps de grâce, disait-il,
une période par laquelle toute âme qui veut porter du fruit doit passer. Mais au désert, eh bien, il n'y a pas que l'épreuve. Jésus entre dans l'épreuve, mais il a été aussi confronté à la tentation. Ce n'est pas la même chose. Le Seigneur permet des épreuves, mais c'est Satan, le diable, qui nous tente. Et là, c'est très important de faire la différence. L'épreuve, c'est la confrontation au réel, aux difficultés de la vie. La tentation, c'est le domaine du fantasme, de l'illusion, du mensonge. Je répète, ça c'est important que vous fassiez bien la différence et que vous le reteniez. L'épreuve, c'est la confrontation au réel, aux difficultés de cette vie. La tentation, elle vient toujours du diable. Elle est de l'ordre du fantasme, de l'illusion, du mensonge. Alors nous savons bien, nous sommes fragiles devant les tentations. Nous vivons souvent avec une oreille qui traîne, prête à écouter, et voilà, des commérages, les langues de vipères qui voudraient nous entraîner à dire des méchancetés sur nos voisins. Nous vivons avec parfois l'envie irrépressible de rendre le mal pour le mal. Nous vivons avec l'œil attiré par ce que possèdent les autres. C'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Et je passe sur les tentations liées au désir sexuel, au désir d'avoir toujours plus d'argent ou de dominer les autres. À ce jeu de la tentation, il n'y a pas de gagnant pour aucun d'entre nous, jamais, sauf pour Satan. Et de ce jeu de la tentation, les pères de l'Église ont décrit soigneusement les étapes. Et c'est important pour nous de savoir les repérer. La tentation, elle commence toujours par une simple suggestion dans notre esprit, une image, une idée. Et une fois que cette suggestion est en place, si nous l'avons accueillie, eh bien nous allons dialoguer avec elle, avec cette tentation. On va essayer de lui opposer des bons arguments, mais face au diable, qui est une pure intelligence, eh bien nous nous ferons toujours avoir, comme Ève au moment du péché originel. Elle a essayé de défendre Dieu, mais le diable mélange toujours des choses vraies et des choses fausses, et on se fait avoir. Et à la suite de ce dialogue avec la tentation, vient malheureusement le consentement qui nous fait tomber dans le péché. Et si ce consentement se répète, eh bien cela devient une passion, puis comme une captivité, une obsession contre laquelle notre volonté va devenir impuissante. N'oublions jamais que Satan est le menteur, le tentateur, un marchand d'illusions. Sa force est de nous faire prendre des fantasmes, des illusions pour la réalité et de nous y emprisonner. Alors la solution, eh bien, c'est, comme Jésus, de rester uni à Dieu par la prière. Jésus est resté uni avec son Père dans l'Esprit Saint et nous montre comment rejeter les tentations. Il a rejeté tout de suite les tentations auxquelles il a été soumis. Il n'est pas entré en discussion avec le serpent comme l'avait fait Ève. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Mais par contre, c'est un péché quand nous commençons à entretenir cette tentation, l'envisager éventuellement comme un bien. Et après, on se fait avoir. Dans cette discussion, si nous entrons en discussion avec la tentation, Satan sera toujours vainqueur. Et donc, il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu, comme l'a fait Jésus, pour repérer ces tentations et pour les rejeter tout de suite. Il nous faut prier chaque jour et recevoir la force de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, dans la confession, pour recevoir la force de dire non tout de suite aux tentations. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, eh bien nous nous ferons avoir. C'est pour ça que Jésus nous invite sans cesse à écouter sa parole. Particulièrement pendant ce temps de carême, dans tous les textes, chaque jour, nous sommes invités à écouter la parole de Dieu, à garder les commandements de Dieu, les 10 commandements,
et tous les commandements d'amour de Jésus, pour tout de suite repérer la tentation et la rejeter. Alors vous l'avez compris, frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'avec Jésus, notre Seigneur, les pièges du diable ne prennent pas. Depuis Adam et Ève, le mécanisme de Satan était au point, mais depuis Jésus, ce mécanisme pour nous faire tomber s'est enrayé. Toutes les grâces nous sont données maintenant dans la prière, dans les sacrements, pour surmonter ce combat, en nous appuyant donc sur la parole de Dieu, sur les sacrements, sur la prière. Mais est-ce que nous prenons le temps et les moyens pour recevoir cette aide que Dieu veut nous donner? Combien de temps prions-nous chaque jour? Combien de temps prenons-nous chaque jour pour lire un peu la parole de Dieu? Est-ce que nous nous confessons régulièrement? Est-ce que nous allons régulièrement à la messe pour recevoir la force du Christ? Alors oui, nous sommes comme dans un désert, notre vie est comme ce désert où Jésus est resté 40 jours, où le peuple d'Israël aussi est resté, lui, 40 ans. Nous sommes, malgré nous, dans un combat qui nous dépasse entre Dieu et les forces du mal. Mais nous savons que Dieu est vainqueur, et en nous appuyant sur lui, nous serons vainqueurs. À la suite du Christ, à sa manière, en rejetant les tentations, en traversant avec Jésus les épreuves de cette vie qui nous sépare de la résurrection. Alors soyons toujours dans l'espérance. Donc demandons, comme nous y invite le Notre Père, demandons à Dieu d'éloigner de nous toujours ces épreuves, ces tentations, mais quand elles sont là, Dieu, notre Père, montre-nous que nous ne sommes pas seuls, que tu es notre Père, que tu es Dieu. Montre-nous que Jésus a déjà pris sur lui le poids de cette croix. Montre-nous que Jésus nous appelle pour la porter avec lui, en nous abandonnant avec confiance à ton amour de Père. Merci Seigneur. Amen. Voilà, alors maintenant nous allons écouter un témoignage qui va nous permettre de voir que dans l'épreuve de la maladie, nous ne sommes pas seuls, que Dieu est là, que Dieu veut faire des merveilles. Donc j'invite Marie-Josée à venir à mes côtés. Et elle m'a demandé de lire son témoignage. Merci Marie-Josée d'être là. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Je fais partie du service d'ordre pour la prière des malades depuis 4 ans. En 2016, j'étais à la maison, j'étais très mal, et pendant 8 jours, je n'arrivais plus à me lever. Voyant cela, ma fille m'a dit qu'il fallait aller à l'hôpital. Alors je me suis décidé en me regardant dans la glace, car j'avais les lèvres violettes, comme une personne qui s'asphyxie. Ma fille voulait m'amener chez le médecin, mais je ne pouvais pas marcher. Un monsieur et sa femme, voyant ma difficulté à avancer, nous ont pris en voiture pour nous accompagner chez mon médecin traitant. Et il m'a ordonné d'aller immédiatement à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on m'a mis un masque à oxygène car je n'avais plus assez d'oxygène dans le sang. Ensuite, comme il n'y avait pas de place, on m'a transféré à l'hôpital Saint-Louis. Et Marie-Josée dit, c'est amusant parce que j'avais sur moi une relique de Saint-Louis et Zélie Martin. Quand je suis arrivé à l'hôpital Saint-Louis, on m'a mis en service de réanimation car j'étais inconsciente. Je suis resté là presque un mois. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Ensuite, j'ai été mis dans un service de réveil. Je priais tout le temps car j'avais confiance dans le Seigneur. Je ne pouvais même plus lire, ni écrire, ni marcher. Je ne pouvais pas me tenir debout. Et un soir, j'ai vu comme une grande lumière dans ma chambre. Cette lumière éblouissait mes yeux. J'ai cru que j'allais mourir, que c'était ma dernière heure. Finalement, étant toujours vivante, je me suis dit que c'était un ange qui était venu me visiter et j'ai ressenti comme une piqûre dans le dos au niveau des reins. Et je me suis dit, ce sont mes reins qui sont malades. Le lendemain matin, les médecins sont arrivés et m'ont dit, « Madame, votre maladie, c'est un problème de reins. » Quand je suis rentré à l'hôpital, la créatinine était montée à 700.
Elle est descendue à 350 après le passage de la lumière. Il était prévu que je fasse une dialyse, mais comme ils ont vu que la créatinine avait baissé, je suis resté 3 ans sans rien faire. Et pendant ces 3 ans, j'ai eu une vie normale, jusqu'au jour où je ne suis plus arrivé à contrôler mon taux de créatinine. Le taux d'une personne normale est de 101, et moi, mon taux était bien plus élevé à 350 et plus. Mon rein ne marchait plus, cela voulait dire qu'il était presque mort. Je devais commencer à faire des dialyses. En 2020, j'ai commencé donc à faire des dialyses parce que mon taux de créatinine était passé à 400. Avant d'être hospitalisé, j'ai commencé à me sentir mal et c'est là que j'ai découvert la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. J'y suis venu régulièrement. La dialyse était très fatigante. Elle avait lieu 3 fois par semaine durant 4 heures à chaque fois. On vous prend votre sang rouge et on le passe dans une machine qui le nettoie et on vous le réinjecte bleu dans votre corps. Je ne pouvais plus travailler normalement. J'ai quand même trouvé un travail à temps partiel à l'hôpital. Je travaillais les week-ends. On m'a dit que je devais attendre un rein pour être greffé. Un jour où j'étais fatigué de faire mes dialyses, je suis parti au Sacré-Cœur de Montmartre et je suis allé devant une statue de Saint-Antoine qu'on invoque lorsque nous perdons quelque chose. Alors je lui ai dit « Saint-Antoine, vous avez des reins et moi j'ai perdu les miens ». Avec l'intervention de la Vierge Marie, vous pouvez m'aider parce que la Vierge Marie ne peut pas vous refuser cela. J'ai ensuite fait le tour du Sacré-Cœur en priant le chapelet devant toutes les statues. C'était un mardi. Le jeudi, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un rein pour une greffe. On m'a dit que je devais aller à l'hôpital rapidement pour voir si tout allait bien et si je pouvais être greffé. Mais j'avais de la fièvre et on m'a dit d'attendre. Le jeudi soir, tout allait bien. Et dans la nuit du vendredi, à 3 heures du matin, on est venu me dire que j'allais être enfin greffé d'un rein. Au réveil, j'étais en forme. Ma fille est allée à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs le 25 janvier. Et toute l'équipe du service d'ordre a prié pour moi. Mais elle n'a pas entendu de parole pour moi et elle était déçue. Elle y est retournée le 1er février dernier. Et là, elle a entendu cette parole. Le Seigneur visite une personne qui a reçu une greffe de rein. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle n'aura aucun rejet et aucune séquelle. Elle va reprendre une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Ma fille a couru me téléphoner pour me dire qu'une parole avait été dite pour moi. J'ai pu regarder la retransmission le samedi suivant grâce à YouTube et au caméraman. Un soignant est entré dans ma chambre. Il s'appelait Antoine. Ma chirurgienne s'appelait Emmanuel. Je lui ai dit « Emmanuel, c'est Dieu avec nous » et elle m'a souri. Aujourd'hui, je ris, je souris, je suis en forme, je suis heureuse. Les médecins n'en reviennent pas et aussi les médecins qui me dialysaient. Mon médecin traitant dit que c'est miraculeux, que je récupère très vite. Il est même allé à Lourdes et il m'a rapporté de l'eau de Lourdes. Maintenant, je veux remercier l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs pour avoir prié et avoir loué le Seigneur pour moi. Je remercie aussi le caméraman qui nous permet, à nous malades hospitalisés, de regarder la prière des malades. Merci pour cette consolation. Je remercie toutes les équipes médicales qui m'ont soigné. Merci Seigneur et merci à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci Marie-Joux. Maintenant, nous allons accueillir le Seigneur qui veut continuer ses merveilles dans notre vie, hein, au milieu de nous. Dieu qui est un Père qui veut continuer de nous manifester son amour. Nous prenons le numéro 113. Numéro 113. Thank you.
Merci Seigneur Jésus parce que tu es là présent dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu es là au milieu de nous pour nous révéler l'amour du Père, l'amour dont chacun de nous est infiniment aimé. Tu viens comme il y a 2000 ans, voilà, nous rejoindre pour traverser nos épreuves, pour nous aider à rejeter toute tentation, pour accueillir les grâces que ton Père veut donner à chacun de nous, là où nous en sommes aujourd'hui, dans ce que nous vivons. Que ce soit dans cette église ou à travers Internet, pour ceux qui regarderont cette prière un peu plus tard, merci pour les merveilles que tu veux faire, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur visite une femme qui a un fibrome qui est gros comme un noyau de pêche. Le Seigneur la guérit. Le noyau, le fibrome va disparaître et cette disparition sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une inflammation au duodénum. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à marcher car elle a un genou déboîté, ce qui la gêne beaucoup et qui est très douloureux. Le Seigneur répare ce genou, le remet bien droit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une inflammation au péritoine. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus pour tous ces cadeaux que tu nous fais. «
Le Seigneur visite une personne qui a de l'emphysème et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite les vertèbres L5 et L6 d'une personne très douloureuse. Lors du passage du Très-Saint-Sacrement, elle va ressentir une grande chaleur et le Seigneur la guérit. Le Seigneur visite et guérit une personne qui s'est cassé le poignet gauche. Elle a des broches et souffre beaucoup. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va retrouver une mobilité normale et ne souffrira plus quand on lui aura enlevé les broches et le plâtre. Merci Seigneur Jésus. Une personne a rejoint la prière avec une angoisse immense qui l'a envahie depuis qu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du pancréas. Le Seigneur l'a guérie de son cancer. Cette guérison sera confirmée par ses médecins et les prochaines analyses. Elle ne doit pas arrêter son traitement. Cette personne reçoit dès maintenant une paix comme jamais elle ne l'avait vécue et une joie immense. Merci Seigneur Jésus. Il y a deux sœurs qui sont venues déposer dans la prière une jeune femme qui est leur fille et leur nièce. Cette jeune femme, dans son désespoir, veut avorter. Le Seigneur vient combler cette jeune femme et vient lui rendre la paix pour lui permettre de faire le choix de la vie. Cette femme va retrouver la joie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui porte une minerve à cause d'un accident. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle retrouvera toute sa mobilité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des douleurs gastriques qui lui remontent jusque dans la gorge. Elle reçoit ce soir une guérison complète de son estomac. Elle n'aura plus aucune douleur. Le Seigneur vient la visiter et la bénir. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui a des douleurs au genou qui proviennent d'une ancienne chute. Ces douleurs sont revenues alors qu'il pensait en être libéré. Cet homme a aussi des douleurs dans le bas du dos qui le gênent beaucoup et l'empêchent de dormir. Il reçoit une guérison de toutes ses douleurs et il pourra retrouver toute sa mobilité. Le Seigneur lui donne aussi un cœur nouveau avec lequel il pourra découvrir la louange et être une source de paix et de joie pour son entourage. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui est atteint d'un cancer des poumons. Le traitement est difficile et depuis quelques jours, il est très inquiet parce qu'il a désormais beaucoup de difficultés à respirer. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Il pourra retrouver une vie normale. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une jeune fille qui est dépressive depuis qu'elle a avorté. Le Seigneur la visite et lui montre son amour. Il lui demande d'aller voir un prêtre pour se confesser. Le Seigneur va la guérir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a du diabète type 2. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit un enfant qui suit tout le temps sa maman car il ne parle pas. Le Seigneur la visite, il va retrouver la parole. Merci Seigneur Jésus. Une personne a des douleurs et des irritations dans la bouche à cause d'un manque de salive. Le Seigneur guérit cette personne qui sent dès maintenant sa bouche s'humidifier. Merci Seigneur Jésus. Nous prenons le chant 83. C'est par ta grâce. 83.
secours est en Dieu qui a guéri les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Le Seigneur visite un jeune qui a une cataracte précoce, maladie rare. Le Seigneur le visite et le guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une famille qui prie par internet pour un enfant qui est tombé dans une piscine. Il est dans le coma. Le Seigneur va le guérir. Il va se réveiller et n'aura aucune séquelle. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une inflammation au niveau des glandes salivaires. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de polyarthrite rhumatoïde. C'est très douloureux pour elle. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a un chancre au poumon droit. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement un malaise vagal. Le Seigneur la visite. Ces malaises vont disparaître. Ils ne reparaîtront pas. Merci Seigneur. De l'Évangile de Saint Jean. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe
va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Seigneur, ce soir, comme les pèlerins grecs, nous voulons te voir. Et nous n'avons plus besoin de Philippe ou d'André, puisque tu es là, au milieu de nous. Tu viens toucher chacun de nous au plus profond de son cœur. Tu connais toutes nos misères, nos angoisses, nos épreuves, nos maladies. Et tu sais aussi que nous t'aimons, à la mesure de notre pauvre cœur, mais nous t'aimons. Et nous aussi, nous voulons te voir et t'adorer. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il y a une femme qui s'est brisée des côtes en tombant sur le côté gauche. Elle met beaucoup de temps à s'en remettre et ses douleurs ne s'apaisent pas. Elle se sent seule et isolée face à cette situation. Elle reçoit ce soir une guérison complète de ses fractures. Elle va ressentir une chaleur douce dans son corps, dans son cœur. Le Seigneur vient lui dire « Mon enfant, tu peux venir te reposer sur moi sans condition, car je suis doux et humble de cœur. » Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une femme qui prie pour son enfant qui est hospitalisé et en traitement pour des addictions. Son cœur de mère est déchiré, elle ne voit pas d'issue. Le Seigneur vient visiter son cœur et lui donner sa paix. Elle va sentir un apaisement profond. Le Seigneur lui dit, n'aie crainte pour ton fils. Je suis venu dans le monde pour racheter celui qui est perdu. Je mettrai sur sa route des personnes qui prendront soin de lui, comme moi je vais prendre soin de toi. Le Seigneur lui demande d'abandonner des objets qui sont dans sa voiture, mais qui ne sont pas du tout de lui. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui, suite à une opération, a des plaques qui sont attachées à sa colonne vertébrale. Sa mobilité est aujourd'hui encore réduite, entre autres au bassin. Le Seigneur se rend présent auprès de cette personne. Elle retrouvera toute sa mobilité et pourra danser. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une douleur dans le haut du dos. La douleur est telle qu'elle ne peut pas lever les bras ou taper dans les mains durant la louange. Le Seigneur guérit cette personne qui constate que sa douleur disparaît et qu'elle retrouve sa souplesse. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter un homme qui a été amené à suivre la prière des malades. Cet homme souffre d'une tumeur au cerveau. Il en souffre beaucoup. Le Seigneur le guérit. Il constate qu'il n'a plus mal et retrouve son équilibre. Cette guérison sera confirmée par son médecin et il n'arrêtera pas ses traitements d'ici là. Merci Seigneur Jésus. Nous prenons le chant 117. Regardez l'humilité de Dieu. 117. Thank you.
Le Seigneur visite une femme qui a une fibromyalgie. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un jeune qui a une sclérose en plaques. Le Seigneur le visite, le guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de leptospirose. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement de très fortes diarrhées, ce qui l'épuise complètement. Le Seigneur la guérit. Ces diarrhées vont disparaître. Elles ne reviendront pas. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est sujette à des fièvres hémorragiques. Le Seigneur la guérit. Ces fièvres vont la quitter. Merci Jésus. Merci pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une famille qui est auprès d'une personne en fin de vie. La famille est très en colère et révolté. Le Seigneur vient leur montrer son amour, les apaiser. Ils vont retrouver une grande paix et une réconciliation entre eux. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a une prothèse à la hanche droite qui le fait souffrir beaucoup. Et cette prothèse devrait être changé prochainement. Mais les médecins sont hésitants parce que les os de son bassin sont fragiles. Cet homme a tourné son cœur vers le Seigneur, même s'il a l'impression que sa vie ne mérite pas que Dieu s'occupe de lui. Et au début de l'adoration, il a eu l'impression que le Seigneur allait venir le rencontrer, lui, même s'il est au milieu de la foule. Et le Seigneur lui dit, « Je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Et si tu m'ouvres, je déverserai ma paix dans ta vie avec abondance. » Cet homme reçoit une guérison dans ses os et ses articulations, et ses médecins pourront le constater. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi un étudiant qui suit la veillée par Internet. Il aime bien suivre cette veillée pendant qu'il travaille, et il a depuis quelque temps des douleurs à la nuque qui descendent dans son épaule. Il reçoit une guérison, il n'aura plus de douleur. Et le Seigneur lui dit, « Mon enfant, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je suis ton roc, je suis le rocher sur qui tu peux t'appuyer. » Merci Jésus, gloire à toi. Suite au témoignage que nous avons entendu tout à l'heure concernant une personne dialysée que le Seigneur a guérie, le Seigneur guérit une autre personne qui est actuellement dialysée. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus besoin d'être dialysée. Cette guérison sera constatée médicalement. Merci Seigneur. Nous prenons le chant 108. Nous t'adorons, ô Père. 108. Nous t'adorons. Oh.
Seigneur Jésus, tu es vraiment présent dans ton hostie consacrée pendant la messe. Nous te remercions, car tu es venu nous visiter. Tu as fait tant de choses pour nous aujourd'hui, celles que nous avons entendues, celles que nous avons vues, et bien plus encore, nous le croyons. Et Jésus, tout simplement, nous voulons devant toi repartir chez nous, là où nous habitons, dans la joie, dans la paix, dans la louange. Nous savons que tu restes avec nous, que tu viendras aussi nous visiter dans les différents temps de prière que nous prendrons en lisant ta parole, en prenant du temps silencieusement dans une église, en priant avec d'autres frères, d'autres sœurs. Et nous voulons simplement te dire aujourd'hui la chose que tu attends de nous. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Nous reprenons le numéro 108. 108. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, Esprit, en vérité. Tu merci Seigneur pour tout ce que tu as donné ce soir, toutes les grâces que tu as pu opérer. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui peuvent être concernées par les paroles qui ont été reçues, eh bien de les accueillir dans la foi, si ces paroles sont pour elles. En même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle encore une fois qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints des pathologies évoquées ne seront pas forcément guéris. Merci à Marie-Josée, merci à tous ceux et celles qui nous envoient leurs témoignages. Vous vous rendez bien compte à quel point c'est important pour nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, pour comprendre que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime, Dieu est un Père qui veille sur nous. Alors si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certain et que vous avez laissé passer un peu de temps,
Eh bien, merci de nous donner vos témoignages. Alors, si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre où une petite équipe vous écoutera pour recevoir vos témoignages. Sinon, vous pouvez les envoyer par Internet en allant sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs dans « Dieu nous guérit ». Cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour que d'autres croient et puissent accueillir les guérisons que Dieu veut donner. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Alors, il y aura une quête à la sortie de l'église. Merci pour votre aide qui est importante pour le fonctionnement de la paroisse. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous pourrez aller sur le site du diocèse de Paris et faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide qui est importante pour que notre paroisse puisse continuer sa mission. François-Xavier, qui nous aide à monter les vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et à partager le lien pour faire connaître cette prière à vos amis, à tous ceux que cette prière pourrait aider. Alors j'invite maintenant tous ceux qui ont des images, des chapelets, des médailles ou des bougies à faire bénir, à les lever. Voilà, je vais demander au Seigneur de les bénir. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces objets, ces chapelets, ces médailles, ces bougies, ces images qui nous aident à nous tourner vers toi, qui nous aident à accueillir ta présence, ta grâce, ta paix, ta protection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais maintenant vous bénir tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Oh, grâce à Dieu. Voilà, nous tournons maintenant vers la Vierge Marie, nous lui confions notre monde. Nous prenons le chant Totus Tuus. En dessous du numéro 140. À la dernière page. Totus Tuus Maria. Retour à tous, nous nous retrouvons la semaine prochaine et puis bonne continuation de ce temps de carême. Et merci pour ceux qui sont sur le côté gauche d'aider à ranger les chaises en plastique en suivant les consignes du service d'ordre. Bonne soirée.